C'est une très belle manifestation à laquelle je vous invite tous à venir. À l'occasion de cette inauguration, j'ai évoqué trois points. Le premier, c'est que le syndicat des vins d'Amboise est engagé dans une démarche très courageuse visant à l'excellence et visant à replanter et à valoriser le cépage Co sur l'ensemble du territoire d'Amboise. J'ai indiqué que je soutenais ce travail des viticulteurs, qui est un travail rigoureux, exigeant, passionnant. Moi-même, fils de viticulteur, et j'ai indiqué que la viticulture était un acteur économique très important, à la fois dans l'économie nationale, mais également dans notre territoire, du point de vue de sa contribution à la balance commerciale, aux emplois, à la promotion de notre cadre naturel et environnemental. Et puis j'ai indiqué qu'en tant que député, je serai aux côtés de cette profession qui est confrontée à des problèmes de fiscalité, notamment s'agissant de la transmission des exploitations, mais également à des problèmes liés à l'assurance récolte, liés aux maladies de la vigne. Et j'ai insisté sur le fait qu'il fallait encourager les efforts d'exportation de cette activité de la viticulture, de manière à améliorer la situation de notre balance commerciale. Le métier de viticulteur, c'est un métier de passion, d'engagement, de transmission, de savoir-faire. C'est à la fois des traditions, mais c'est aussi beaucoup de modernité.